Et elle te plaît cette expo? Oh oui, j'adore. C'est toi qui parles? Bien sûr. Que fais-tu ici? Je me suis perdue. Et toi? Je me suis échappé de la malle de Christian Volt. Christian Volt? C'est qui? Et pourquoi tu parles? Chut, regarde, ça va commencer. Je suis tout le temps en train de collecter des objets, je suis tout le temps en train d'imaginer. Tout mon travail tourne autour du personnage, hein, que ce soit la figure humaine ou animale. C'est des petits bouts de métal, c'est des petits trucs de récupération, c'est rien du tout. Mais si on s'arrête, hein, si on prend le temps de regarder, si on prend le temps de les mettre ensemble, si on met deux objets, deux boulons l'un à côté de l'autre, comment est-ce que tout d'un coup, deux boulons, ça passe à des yeux? Et comment est-ce que tout d'un coup, ça commence à raconter une histoire? Ça peut devenir vraiment quelque chose qui, moi, me touche en tout cas. Alors si je reviens un petit peu plus en amont, moi j'ai commencé par travailler dans le secteur social avec des personnes en grande difficulté. Et parallèlement à ça, de façon tout à fait autodidacte et vraiment sans aucune prétention professionnelle ou quoi que ce soit, j'ai commencé à collecter des petits objets pendant mes balades. Alors j'habitais dans un petit appartement, j'avais pas de matériel pour souder, donc ça tenait comme ça, c'était fait de briques et de broc, et j'ai commencé à avoir plein de personnages, mais toujours simplement pour mon plaisir. Finalement, à un moment, j'ai décidé de changer d'orientation et j'ai passé le concours des arts décoratifs, donc à Strasbourg, dans l'idée de faire de la sculpture, vraiment d'approfondir cette technique-là. Et je me suis rendu compte durant ces deux premières années que au-delà du travail de la matière, vraiment ce qui m'animait, c'était de raconter des histoires. Et finalement, plutôt que de faire de la sculpture, je suis rentré dans un atelier d'illustration, dans l'idée de faire des livres pour la jeunesse. Shoot ! Oh, quel tir ! Quel boulet de canon ! Jean-Pierre, plonge ! Magnifique, Jean-Pierre ! Super arrêt, papa ! Ouais, viens, on va manger. Nous, les hommes, faut qu'on prenne des forces. Et hop, une passe à mon fiston. Écrire une histoire, c'est, pour moi en tout cas, même si ce sont des histoires extrêmement courtes, même s'il y a très peu de texte, au bout du compte, eh bien, avant, il y a beaucoup, beaucoup d'écriture. La seconde étape, ça va être un travail de recherche de personnages. Moi, quand je crée un personnage, je sens cette humanité, je sens cette émotion. C'est toujours des gens simples qui se débattent avec la vie et qui essayent de s'arranger avec qui ils sont, avec l'amour, avec la mort, avec leur semblable, avec leur environnement. Et puis, l'étape suivante, eh bien, ça va être ce qu'on appelle le chemin de fer. Si finalement l'image suffit à raconter l'histoire, pourquoi mettre du texte? C'est pas forcé. Le chemin de fer, ça va me permettre d'enlever du texte et de ne garder que la colonne vertébrale. Mon personnage est en place, le décor est en place, puis je vais essayer de refaire la même image, mais avec du fil de fer et des objets. Parfois, je passe des heures à chercher, à changer les yeux, à essayer de trouver exactement l'expression que je cherche, et parfois c'est très long. Et parfois, ça va tout seul. Quand j'ai comme ça une scène simplement posée, eh bien, je vais aller chez le photographe. Là, on le voit en train de travailler avec un très gros appareil qu'on appelle une chambre noire et qui permet de faire ce qu'on appelle des hectachromes. Les hectachromes, c'est comme des grandes diapositives. C'est
C'est-à-dire que l'ensemble du livre est prêt ce jour-là. Moi, je refais toutes les scènes, les unes après les autres, et il les prend en photo les unes après les autres. Dis, papa, elle est où, ma maman ? Ça, petit. Il y en a qui disent qu'elle est sous terre, avec les vers et les asticots. Tu parles. Elle avait tellement la frousse des bestioles. D'autres, ils disent qu'elle est là-haut, qu'elle vole avec les nuages. Avec ses 85 kilos. Mais moi, je sais bien qu'elle n'est pas si loin. J'ai été à un moment un peu catalogué l'auteur qui parle de la mort. Et c'est vrai que, bon, c'était une thématique qui me touchait beaucoup, puisque mon père était très malade. Et je savais que l'issue de cette maladie, ça serait sa disparition. Et voilà, je suis empreint de ce que je vis. Et je parle de ce qui m'anime. Et il se trouve que ça a toujours été ces objets-là, c'est-à-dire des objets tout simples, des objets de rebut, des objets qui n'ont plus de fonction, mais des objets sur lesquels le temps est passé et le temps a laissé sa trace. Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça m'a toujours beaucoup touché. Le fer rouille, le bois est patiné, le cuivre oxydé. Ce sont ces matériaux-là. C'est pour ça que je ne travaille pas avec le plastique, par exemple, qui vieillit pas vraiment mal. La gravure, ce sont des plaques de métal, de plastique, de bois même, hein, qu'on grave, où on va y aller en creux. Et puis après, on va mettre de l'encre par-dessus et puis passer sous presse. Souvent, je rajoute des végétaux, des plumes, des petits objets dans mes gravures parce que chaque médium, chaque technique permet de transmettre des émotions différemment. Travail avec du fil de fer, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus joyeux, même enfantin peut-être, même si je n'ai pas dans l'idée de le faire pour les enfants, mais certainement que ce que je fais avec les céramiques est plus noir, probablement une partie sombre de moi, évidemment. Après, si ça touche les enfants, eh ben c'est super. Si ça touche les adultes, c'est super aussi. Si ça touche les deux, s'il y a deux niveaux de lecture, eh ben c'est que j'ai bien fait mon travail et que ça a fonctionné comme je le désirais. D'où viennent les objets dont tu es fait ? Mon nez était une poignée de tiroirs et ma bouche servait à maintenir un célèbre tableau. Et tes amis sont comme toi ? Oui, pour la plupart, mais je suis le plus jeune. Ils sont tous là ? Non, il y en a plein d'autres. Ils sont où ? Je crois que tu as compris. Chaque fois que j'arrive dans un lieu, les lieux sont toujours très différents, un lieu vierge, et il va falloir que je réfléchisse, que je trouve comment faire pour que ce lieu vide raconte quelque chose aux gens qui vont venir. Et puis voilà, mais le travail c'est vraiment d'arriver, de déballer les cartons, et puis après, qu'est-ce que je fais avec cet espace ?
Au début, c'est toujours assez angoissant parce que pour moi, ça ne fonctionne pas. Au début, c'est très laborieux et je démarre par un bout. Et puis, bon, petit à petit, ça se construit. Et petit à petit, je commence à trouver le lien pour que ça respire. Et puis, en même temps, et ben, il se passe quelque chose, que les gens aient envie de venir. Et j'aime bien quand créer des espaces comme là, par exemple, un petit peu clos pour que les gens aient un rapport peut-être plus intime avec les pièces. Ce n'est pas des pièces qu'on regarde de loin. Il faut s'approcher, il faut voir le matériau, il faut voir la texture, la patine, justement, le temps qui est passé sur chacun de ces matériaux. C'est important que je le fasse parce que je prends du plaisir à ça, parce que j'aime ça. La mise en scène, travailler sur les lumières, j'aimerais bien aussi travailler sur le son pour rajouter encore une dimension à ces expositions. Et après, c'est tellement de petites choses, de petits détails, que ça serait compliqué de déléguer. Ça n'a pas de sens de travailler pour rien, pour personne. Donc, de voir que des enseignants, des centres de vacances s'emparent de cette technique, des bouquins, de ma technique, pour proposer aux enfants de travailler de la même façon, ça prend tout son sens. Moi, j'ai une grande chance, c'est que les ambassadeurs, ce sont mes livres. Donc, en général, les bibliothécaires connaissent mes livres, enfin c'est pour ça qu'ils m'invitent, et puis ils peuvent raconter des histoires aux enfants, faire travailler les enfants avec ces techniques. Sûr qu'il n'est pas de chez nous. Donc voilà, ça peut être très vivant, et en général ça l'est. Et puis, quand on lit des albums aux enfants, qu'on leur dit d'où ça vient, etc., je pense que c'est très très facile, et en fait, ils se rendent compte, même là, à travers la réalisation d'une seule image ou d'un seul petit personnage, de toute la difficulté. Tu sais quoi, tu devrais faire, Louane ? Et donc, ils sont très contents de voir, et étonnés également, qu'avec si peu de moyens et des petits objets, soudain, on puisse réaliser des œuvres d'art. On peut le dire. Bien les objets parce que c'est fait de terre cuite, de laine, de raffia et de tissu. Moi j'aime bien avoir de l'imagination et créer des choses comme des habits, comme par exemple un petit t-shirt ou des pantalons, et le raffia pour faire de jolis cheveux, comme par exemple un pétard ou lisse. Je crois que justement les adultes, tout comme les enfants, apprécient énormément ce monde-là. Et des sculptures, parce que c'est vrai que Christian Wolff a une œuvre aussi très complète, hein, qui est également tournée vers la gravure, la sculpture, avec vraiment de la terre cuite, etc. Et puis même ce monde d'objets, finalement, qui parle énormément à beaucoup de générations, puisqu'on voit des objets anciens qu'on retrouve parfois chez ses parents, grands-parents, etc. Donc c'est aussi cette œuvre-là qui nous plaisait, parce qu'aussi bien à travers les livres qu'à travers l'exposition, il y a une lecture multiple qui peut se faire selon l'âge que l'on a. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Théo, avec un H. Si les lecteurs arrivent à me dire dans les livres ou dans les expos, ce personnage-là, vraiment, il me parle, il me touche. Donc s'il se passe quelque chose, là, je suis vraiment content, parce que ça veut dire qu'il y a, au-delà de simplement ces petits objets de récupération, il y a une sensibilité qui passe, il y a une émotion qui passe. Bon, et ça, c'est tout le travail artistique, toute la recherche artistique, c'est autour de ça que ça tourne. Waouh, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aimerais bien faire des choses que j'imagine. Valentine, je suis là. Je vais devoir te laisser. Mais en fait, comment tu t'appelles ? Où ?
Bon, tant pis. Tu me répondras peut-être une prochaine fois. Quel drôle de personnage.